Comment c'était avec Marcos? Ah, comme toujours. Je n'ai pas eu mon argent et je me retrouve à lui rendre un autre service. Mais pourquoi tu te laisses faire par lui? J'ai une dette envers lui, très ancienne. Ah, il t'a prêté des drachmes. Un autre genre de dette. Peu de gens auraient recueilli un enfant qu'ils auraient surpris à voler. J'étais tout jeune. Hein? Je suis toute jeune, moi aussi, et je me débrouille toute seule. Qu'est-ce que tu veux, Fouibé? Tu connais Kaosos? Le village de l'autre côté de l'île. Pourquoi? Il y a des malades là-bas. Et aussi Kina, mon ami. C'est une fièvre sanguine. On dit que c'est une malédiction et qu'ils ont besoin d'une aide divine. Je te l'ai dit, je ne suis pas un dieu. Mais Icaros! C'est un oiseau. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire! Ah, oh, d'accord. Je vais aller voir ça. Vous êtes des meurtriers! Des meurtriers! Si les dieux ne nous aident pas, nous devrons nous débarrasser de ce mal nous-mêmes. Il n'y a pas le choix. Aide-nous! Il veut nous garder ici! Qu'est-ce qui se passe? Une peste s'est déclarée à Kaosos. Il y a eu trop de morts. Le mal se propageait. Nous avons dû intervenir. Ils ont tué nos frères! Nos voisins! Nous avons survécu au massacre, mais il veut nous tuer! Les dieux nous ont abandonnés. Si l'on veut sauver les vivants, les malades doivent rejoindre les morts. Tu as incendié tout le village? On a perdu trop de temps à prier. Il a fallu agir. Chasser la fièvre sanguine de Kaosos par le feu. Il n'y a pas d'espoir de trouver un remède? Rien n'a eu effet. Ni les sacrifices, ni les prières. Les guérisseurs refusent de venir. Les soldats ne nous laissent pas partir. Les dieux sont sourds à nos prières. Mais je ne connais rien à la peste, moi. Personne ne peut rien faire. Non! Si tu interviens, je serai contraint de défendre la volonté des dieux. Protège-nous de lui, et pitié! On est à peine malade! On va guérir! Personne n'en guérit! Ceci est le seul et unique moyen d'éviter la mort de toute la population de Kefalonia. Pitié! On a des enfants! Pense à eux! Tu pourrais regretter ta venue ici, Mystios. Laisse-les partir. Comment? Tu n'es pas un dieu. Yeah.
Ce prêtre sortait tout droit des enfers. Un homme des dieux. Ah ! Oh, les vrais dieux t'ont envoyé. Il faut partir. Nous allons assez bien pour voyager. Mais il nous faut des soins. Tiens, prends ces drachmes. Ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait, mais c'est tout ce qu'on a. Ce n'est pas la peine. Faites bon voyage. Tu es un envoyé des dieux, porteur d'aigle. Qu'ils te bénissent. Au revoir, Kina, fais attention.